débat sur l'avenir des IUT aujourd'hui à Blagnac. Les présidents d'IUT présents proposent une alternative aux dispositions actuelles qui octroient aux universités la gestion financière des IUT et demandent la création d'une structure institutionnelle. Ce que nous avons besoin, c'est une institution effectivement sur le plan national qui joue le rôle, on va dire, de moteur dans l'évolution des formations d'IUT, mais qui joue aussi le rôle de gardien, d'une certaine façon, de la qualité des IUT, de labellisation des IUT. Car dans l'état actuel des choses, les programmes, faute de moyens, pourraient s'appauvrir et faire baisser la qualité des diplômes. On demande simplement que les moyens qui sont alloués aujourd'hui aux IUT puissent leur donner le moyen de vivre et de se développer. Certains IUT sont malmenés, comme je le dis, aussi bien en termes budgétaires qu'en termes humains. Et c'est ceux-là qu'on veut aider et qu'on veut sauver. En France, 40% des 115 IUT seraient actuellement confrontés à ces problèmes.